Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. It's really not that bad. It just needs a little shaping. I love it. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tester la gamme Cantu. Donc voici le résultat final. Franchement, je suis agréablement surprise du résultat. Donc je vais tester juste le shampoing, le conditionneur et après appliquer le leave-in pour tout. Donc je vous filme ça après avoir testé. Donc le shampoing, pareil, ça mousse vraiment bien, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, etc. Donc c'est vachement bien ces produits. Je trouve que au toucher après c'est vraiment doux. Le leave-in conditioner, ça aide pas vraiment à démêler comparé aux autres, mais je trouve que vraiment après la texture, je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus volumineux, ils sont beaucoup moins cassants que si j'utilisais un après-shampoing par exemple en grande surface. Ça démêle assez bien. Enfin pareil, moi j'ai mis 15 minutes parce que je me démêle les cheveux qu'une seule fois par semaine. Donc je suppose que si vous le faites, vous démêlez vos cheveux deux fois par semaine, ça devrait aller. Du coup vous avez une assez grande quantité comme vous pouvez le voir. Le shampoing pareil, je pense que j'en aurai au moins le shampoing pendant au moins 2 mois, 3 mois et ça au moins 1 mois. Le leave-in conditioner pareil, pas de surprise, c'est le même que j'utilise tous les matins pour définir mes boucles. Donc je vous laisse pour la suite de la vidéo, bisous. Donc une fois avoir bien rincé mes cheveux, je vais prendre le shampoing et l'appliquer. Donc une fois avoir bien rincé le shampoing, je vais prendre le conditionneur et démêler mes cheveux. Donc comme d'habitude, pour démêler les cheveux, je vais prendre le Demi Brush. Donc une fois avoir démêlé mes cheveux avec tout le conditionneur, je vais les mettre dans un chignon et me laver tout le corps, le temps de le laisser poser. Du coup on se retrouve après la douche, j'ai laissé en sécher environ 5 minutes. Donc j'enlève la serviette, hop, et je vais appliquer maintenant le leave-in conditioner. Donc je l'ai déjà utilisé mais je vais pas en... il m'en reste encore un petit peu. Donc voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vraiment, ça sent trop bon et mes cheveux sont super bien démêlés. Et j'ai pas trop de frizz aussi, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais séparer mes cheveux en deux pour pouvoir appliquer le leave-in conditioner. Donc j'ouvre, je prends à peu près ça comme quantité. Hop, j'applique sur mes doigts. Voilà, comme ça. Vraiment bien définir les boucles.
Voilà, et j'en rajoute si nécessaire. Désolée, c'est mon chat. Hop. De toute façon, ça va aller vite. Voilà. Et là, je rajoute encore un peu de crème sur l'autre moitié. Donc vraiment, ça, c'est pour que les boucles soient bien définies et que surtout, ça dure toute la journée. Parce que c'est vrai que sur mes pâtes crème, j'ai beaucoup de frisottis. Voilà, je sais d'appliquer sur vraiment la totalité de mes cheveux. Hop, et je me coiffe en même temps pour que ce soit fait. Voilà, donc vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend genre vraiment 2 minutes. Le temps de vraiment bien appliquer le produit, etc. Donc voici le résultat. Ça fait bizarre, franchement. Mes cheveux ils sont genre beaucoup plus doux, définis. Je trouve que ça a vraiment changé la texture de mes cheveux. Ils sont beaucoup plus volumineux, etc. Enfin, comparé à avant, c'était pas du tout comme ça. Je suis choquée, je suis vraiment surprise du résultat. Là, mes cheveux ils sont encore un peu humides, mais c'est normal. Donc voilà. Ah, bravo, ils sont vraiment volumineux, etc. J'aime trop. J'aime trop. Et c'est tout pour cette fin de vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si c'est le cas. Moi, ça m'a vachement plu. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les produits. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas très cher. Ça, je les ai achetés sur Vinted. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien internet sur mon Amazon de ces produits. En tout cas, moi, je suis franchement ravie de ce résultat. Pareil, ça coûte 8 euros. Le shampoing, 12 euros. Et le conditionneur, pareil, c'est pas très cher parce que j'utilise que juste ces produits là et ça me dure environ un mois et demi, etc. Donc en tout cas, je trouve que ça reste raisonnable. Je vous mettrai de toute façon le prix par là, j'essaierai de faire le calcul. Et en tout cas, moi je suis super ravie de ces produits. On dirait que je suis en partenariat, mais alors pas du tout. C'est juste que je teste la marque Contour. J'essaierai d'autres marques. Si vous avez d'autres marques à me faire tester, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.